Bonjour, vous avez du texte à modifier en masse. On va voir ensemble un outil qui permet de faire cela. Alors, on va se rendre sur l'article 18.05 du site. Donc, on retrouve une fenêtre avec des données préchargées qui permettent d'essayer l'outil. Et puis, on peut donc tout de suite les effacer. Si vous avez des choses à modifier tout de suite. Ensuite, dans la fenêtre qui contient les valeurs, on trouve en dessous des boutons qui permettent donc de les modifier. Avec en premier lieu un bouton qui permet de tout passer en minuscules. Là, c'est déjà le cas, donc on va mettre des valeurs en majuscules. On va tester le bouton. Voilà, elle passe en minuscules. On peut retirer les espaces qui sont avant et après. Les valeurs. On peut aussi retirer les accents. Tout ce qui est caractères spéciaux, à savoir tout ce qui est différent des caractères alphanumériques, enfin donc tout ce qui est différent des lettres de l'alphabet et des chiffres, va être supprimé, sauf précision le caractère qui permet de faire le retour à la ligne, sinon tous les mots se retrouveraient collés. Voilà. On peut passer toutes les valeurs ici sur une ligne avec un séparateur à préciser qui est par défaut un point-virgule. Et on peut faire la même chose dans l'autre sens en reprécisant le séparateur à utiliser. Voilà. On peut également supprimer les lignes vides consécutives. Entendez par là, ici on a deux lignes vides. L'outil va les supprimer, n'en laisser qu'une seule. Voilà, on peut faire encore le test. Donc il n'en a laissé qu'une seule à chaque fois. Voilà. On peut aussi également faire une suppression des lignes qui sont identiques, c'est-à-dire que ces deux lignes sont identiques, il n'en restera plus qu'une. Voilà. Et puis on trouve un bouton qui permet de supprimer les caractères consécutifs identiques. Par exemple ici on a deux A qui se suivent ou ici on a des E qui se suivent également, ils vont disparaître. Voilà.